Alors, l'hameçon, j'utilise là du JMC. Ouais, c'est un caddie. Alors, là j'ai mis du 14, on peut le monter à 12, mais c'est pas la peine de monter petit parce que cette mouche est quand même assez grosse. Là, c'est bien parce qu'il y a l'ardillon écrasé et tout, il y a l'ardillon qui est. Ensuite, un coup, bon, moi c'est des plumes. Alors, ça c'est un hacle de veau. De veau. Le grizzle. Si. Voilà. C'est des plumes de coq. Alors, c'est un coup de veau. Ça vaut. C'est pas très cher et c'est des bonnes plumes. C'est la couleur grise. Voilà. Une mèche de. Lama. De poils de lama couleur orange, orange rouille. Et le fil, je vais utiliser le nanofil qui va très bien. Voilà, le fil, comme on voit, qui a plusieurs. Voilà. C'est du noir, c'est du 18-0, qui est incassable. 18-0, ouais. Et je peux vous garantir qu'il est incassable. Vous pouvez faire des finesses de montage, les têtes et tout, ça déborde pas. Donc c'est une mouche qui est très simple, vous allez voir, hein, c'est très facile à monter. Ensuite, du parafibre, une mèche de parafibre, on prélèvera une petite mèche, parafibre, herlfibre, enfin, il y a plusieurs, ça porte plusieurs noms. De couleur blanche ou orange, ça, on peut le faire aussi, mais le soir on va mettre quand même le blanc. Le fil s'appelle comment? Alors le fil c'est du... Nanosic. Il a qu'un défaut, c'est qu'il est pour le couper, il faut bien le tendre. Sinon, vous ne le coupez pas. Il faut vachement le tendre pour le couper. Qui est très fin, qui s'écrase bien. Alors, il est noir, mais en fait, il est noir quand on l'enroule en spirale vachement gentil. Il est noir, mais après, vous voyez quand. Voilà, c'est noir qu'il faut le faire. Donc, il faut un bon ciseau ou alors il faut tendre vraiment le fil, quoi. Il y a deux défauts en fait. Il est dur à couper et il est cher. Il vaut quand même 7 euros la bobine en français. Il est relativement cher. Donc je vais descendre jusqu'à la courbure. Cette mouche, on l'avait mis au point à l'époque, je fais pour l'histoire, avec un gars qui était au club qui n'y vient plus. On l'avait mis au point avec Eric Galland, cette mouche. On l'avait cherché avec lui, c'était un peu creusé la tête. Bon, mais il est à fond avec ses enfants dans le sport. Donc je vais prendre une petite mèche. Donc j'ai prélevé une petite mèche pour faire le corps. Vous voulez, bon, moi je vais pas, on peut mettre de la poids, mais là, il n'a pas tellement d'utilité parce qu'en fait, après, je vais emprisonner la mèche, après je vais enrouler avec la. Je ne me servir que de la mèche. Hein. Je vais pas. Sinon, ça ferait un corps trop bourru. Mais j'accrochais, je ne sais pas si vous avez vu, j'accrochais la pointe et le fil n'a pas bougé. Hein. Avec un autre fil, j'aurais cassé. Hein. Donc c'est quand même. Bon, après, je prends tout avec la main. Hein. Je me serre les doigts pour prendre tout. Cedric's Music. Je vais pêcher en train de bourru, mais c'est justement le but. Encore, on le retaillera avec le ciseau. Et ça, mouillé, ça fonce ce vachement. Et ça a vraiment la couleur de. Moi j'ai pris un morceau de. Alors, dans le parafibre, un qui est très bien, c'est la marque Tienco. Un truc j'ai tout le temps. C'est, pour moi c'est le meilleur parce qu'il s'écrase pas. Voilà, j'emprisonne, je fais la mèche. Bon, en fait, il y a plusieurs techniques, mais comment je ne veux pas qu'on voie le blanc.
les productions. On va travailler ce qu'on peut y tirer dessus. Hein. Vous allez voir si le mouche est non, le Divi Zero, vous voyez, il ne vous charge pas là. Mais alors qu'un cas d'utiliser, il ne charge pas les, le montage. Donc on peut travailler avec. C'est vraiment là, le gros avantage. C'est le Divi Zero ça. Bon là je vais prélever ma plume hein, pour faire en fait. Bon là c'est vraiment trop là, parce que vous voyez. Là c'est vraiment trop gros. Donc je vais prélever une plume. Hein. De longueur, que les hacks soient un peu plus longs que sur monterine sèche, qu'on ferait une collerette. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Mais c'est quand il est mouillé, il a une couleur particulière. Et en plus, il renferme des bulles d'air. Quand tu le poses dans l'eau, quand tu le sors, quand tu le regardes, il est plein de bulles d'air. Je pense qu'il a, et c'est vrai qu'il a la couleur quand tu prends un sèche sur l'eau, que tu l'enlèves le fourreau là. À part les sèches qui s'accrochent aux herbes, hein, qui se laissent en vert. Mais ceux qui sont dans les fourreaux, ils sont jaunes ou orangés. Ils ont cette couleur orange sale. Et quand tu bouges, il se bouge. Quand tu la mouilles, elle a cette couleur orange sale. Et la flottaison, le corps, il est dans l'eau. Parce qu'en commençant le corps, que l'eau s'imbibe, il n'est pas hydrofuge. Hein. Donc quand tu le poses, tu vois que le tout pète. Tu vois que le tout pète en fait. Et c'est là où je sais que c'était une mouche redoutable. Hein. Mais, je vais enlever toute la partie du venteuse, on l'enlève. Les mouches à rosetto, bon. Élastique, elles sont super, c'est des super mouches, mais on les voit pas. Donc, quand on peut les voir, c'est super, mais si on les voit pas, comme ça, on la voit. Donc, je vais emprisonner donc mon hack là. Je vais enrouler mon hack là. Non. Je la monte comme moi je la monte. Elle est très simple, elle est pas. Je vais enrouler. Bon là, on avait essayé de faire un thorax et tout. Au contraire. C'est le corps qui compte. Donc j'enroule à inspirer jointive. Voilà. Non, moi je ne monte pas, j'enroule tout à montagne, mais. Non, mais je monte et je descends. Je ne compte même pas. En principe, tu montes 3 tours, tu redescends. Ou 4, tu redescends après. Et ça, c'est pas une mouche élastique. Hein. On n'a pas les mêmes problèmes. Hein. Donc là, je vais emprisonner. Faire le wet finish. Le coup que vous êtes en 18-0, l'œillet vous le comblez pas. Là, je vais couper mon excédent.
C'est une mouche qui est vite montée. Alors ça, vous prenez, vous cassez pas les reins, vous posez sur l'eau. Au bout d'un moment, vous allez voir que le toupet blanc, c'est là où on pêche le mieux. Vous faites un poisson, vous l'asséchez, vous repartez. Ça, c'est vraiment terrible. Le coup de faire le fil noir de montagne, vous savez là, ça vous fait un quoi. Vous pourrez, ouais, si la journée t'as les 7, genre. Moi, j'ai pêché la journée, j'en ai pris aussi. C'est surtout pour les 7, quand c'est les 7. Si t'as une cousine de 7 la journée, ça arrive des fois. Quand il fait bon vieux quoi, tu peux la mettre. Tu dois dire qu'elle est redoutable. C'est des mouches qui sont vite montées. Avant, on les faisait pas voir parce que c'était les secrets. C'était les secrets des. Les secrets, maintenant là.